gauche et prendre la bretelle en direction de l'autoroute 40 ouest. Voilà, tu restes dans cette voie et tu restes dans la voie, pas entrer chez les autres. Voilà. Dans 200 mètres, suivre Boulevard Métropolitain Est. Donc là, l'autoroute est à gauche. Prépare-toi pour changer la voie à gauche. Voilà. Suivre Boulevard Métropolitain Est, puis utiliser la voie gauche pour prendre la bretelle autoroute 40 Ouest. Utilisez la voie gauche pour prendre la bretelle autoroute 40 Ouest, puis suivre route transcanadienne Ouest. Voilà. Mais accélère, regarde mon chien. Accélère. Voilà. Continuez sur route transcanadienne Ouest pendant 9 km. Donc là tu restes à l'aise, il a dit continuer pendant 9 km. Donc là tu vas juste rouler pendant 9 km. Tu peux changer la voie à gauche aussi. Donc accélère mon ami. Il faut accélérer, si tu accélères pas, tu ne peux pas rouler sur l'autoroute. Accélère encore. Ici 70 minimum. Le danger, si tu accélères pas, si tu freines, il ne faut jamais freiner sur l'autoroute. Tu peux ralentir, mais pas freiner plus. Accélère, si tu montes. Ta vitesse a descendu à 60. Il faut accélérer. S'il y a un camion comme ça aussi, tu gardes la distance. Pourquoi? Parce que lui, il cache les panneaux. Donc, lui nous cache les panneaux, on voit pas les panneaux. C'est pour ça que tu gardes la distance. Bon, tu peux lire les panneaux. Je vais essayer de faire une vidéo vers l'aéroport de Montréal avec Daniel. Là, la flèche de l'aéroport elle est haut.
à gauche. Donc on reste à gauche. On est bien. Pas besoin de faire clignotant parce que c'est cool. Donc après regarde le panneau là-bas. Droite, ouais. Voilà. Donc tu vas rester comme ça et tu vas à droite comme ça. C'est beau? Tout est clair? Tu continues et tu continues à droite. Parce que là à gauche, tu vois à gauche pour aller sur la boulevard Saint-Martin. Mm-hmm. Mais là à droite pour aller à l'aéroport Trudeau. Parce que nous, allez, vas-y, on a le vin. Donc tu restes dans ta voie, à gauche. Comme ça tu continues. Voilà. Là, on est entré dans une autre autoroute, c'est la 520. On a sorti de la 40, là c'est la 520. Donc là, accélère le 70. Et prépare-toi pour changer la voie à droite. Bien changé. Tu continues après, tu changes. Là, juste là, prépare-toi pour changer après la voiture blanche. Et on tourne à droite. Angle mort. Accélère, continue à accélérer. Voilà. Dans 500 mètres, continuez tout droit sur rue Jacques de Lesseps. Je ne sais même pas si ça c'est 50 ou c'est 70. Bon, et là, aéroport Trudeau. Donc, changez la voie à droite, clignotant à droite. Voilà. Très bien. Donc. Rue Jacques de Lesseps, puis continuez tout droit pour rester sur rue Jacques de Lesseps. Donc, tu vas continuer tout droit. Voilà. Tu vois la vitesse, regarde là-bas c'est 30 la vitesse, tu vois, parce qu'on connaît pas ce chemin. On doit bien surveiller les panneaux. Continue tout droit pour rester sur rue Jacques de Lesseps. Mais là, mais le problème, la vitesse ça change, regarde, on est devenu sur 30, t'as compris? D'habitude 30 on est juste en scolaire, ou... mais là 30 pour rentrer dans ce chemin. Nous, on va choisir le départ. Regardez la vitesse 30. Tu vois, c'est difficile, hein, parce que tu sors de l'autoroute. Il y a le règlement, tu dois respecter le règlement. Voilà. Donc, on est arrivé à l'aéroport, le départ. Ah, ok. Oui, donc ici, le départ. Donc, si tu veux ramener quelqu'un, tu viens ici, tu. Bon, ici, États-Unis, international, tout ça. Mais quand même, c'est tranquille avec le Covid, il n'y a pas beaucoup de vols. Ah, c'est ça. Si l'aéroport est ouvert, tout ça, on va voir des chalandages. T'as compris? Ouais. Ah, même ça, c'est pareil, tout est fermé, les parkings, les. Personne. Peut-être des gens qui sont en vacances ici. Oui, je pense que les gens ne vont pas. Les personnes, les voyages d'affaires, tu vois. Mmh. Voilà, les personnes qui travaillent, ils sont obligés. On va continuer ce droit. Ça c'est important, tu prends les décisions sécuritaires. Moi je te dis.
dit rien et toi on te prend des décisions, ça c'est normal. Même l'examinateur il voit ça le jour de l'examen. La route est barrée, tu changes, ils sont des. Donc nous on va prendre la 520 ouest maintenant.